Bonjour YouTube, on aime Keeper, évidemment. Ouais, Death Touch c'est quand même vachement mieux. Hein. Death Touch ça prend. T'as des dégâts en plus et en plus ça perce quoi. Donne-moi Death Touch bordel. Ou Tech X, je sais pas moi, Tech X, au bout d'un moment. Voilà. Je sais pas moi, un petit TX là, tout simplement. Le petit TX du bonheur. Petit TX qui ferait qu'on gagnerait totalement. Ouais, évidemment, hein, je vais prendre un familier qui bouffe mes pièces. Speed down, t'as pas l'impression que je suis déjà assez lent comme ça. Non, puis tu sais, ça te dit. Ouais mais attention, hein, y a un bon truc, c'est que les ennemis empoisonnés, ils peuvent faire spawn des cœurs noirs. Je suis Keeper, je m'en branle. Ouais, fait spawn un cœur bleu, vous l'avez vu? Bordel. Curse of Darkness, évidemment. D1. Ouais. Trop bien. D1 qui fait en sorte de dupliquer un pick-up au hasard dans toute la salle. C'est quand même le dé, c'est quand même le dé de la tristitude. C'est un peu le hasard ça quand même. C'est un peu le hasard, faut faire gaffe au knockback. Non! Non, non, non! Ça peut être bien, mais étant donné qu'il y a le Wooden Penny maintenant, étant donné que je porte le Wooden Penny, ça ne sert plus à rien pour moi. Oh là là, mais. Soit j'ai des objets actifs qui sont bien, mais qui sont pas adaptés à ce personnage. Soit j'ai des trucs passifs de marde. Putain, mais donnez-moi des bons trucs, bordel! Ah, oh, j'ai lâché ma bombe. C'est que je sentais que c'était. Vous l'avez senti le pif? J'ai senti que c'était de la merde. Du coup, je me suis dit, je vais ruiner toutes mes chances. Il y a débat. Là, il y a débat. Là, il y a débat. Bonjour. Il y a débat parce que ça fait vraiment masse dégâts. Enfin, ça fait des dégâts qui sont du coup figés sur les miens, forcément. Mais genre, ça peut one-shot une salle entière. Hein. Ça peut one-shot une salle entière sans trop de problèmes. Pourquoi pas, allez. Allez, on fait l'échange. Alors je ferai pas l'échange dans l'autre sens, ça sert à rien de demander. Évidemment, hein, le fait que du coup. Voilà, en fait, il est un peu mort tout seul. Jesus Juice. Ok, des dégâts, pourquoi pas. Hop, on va finir l'étage du coup. Évidemment. Évidemment, j'ai pas chopé de vie. Enfin, j'ai pas chopé de pièces du coup. Forcément. Mais si des salles se passent comme ça, moi ça me va. Quand il y a des salles qui se passent comme ça, on va pas se plaindre, hein, évidemment. Ok.
Allez, on se casse! Désolé la bombe, je te laisse ici. On a un build qui est pas mal en soi avec le toxique. En vrai déjà pour les portos, c'est une... en vrai pour les portos c'est une immense galère. Spawn le trapdoor. Oui bah oui, t'as cru que j'avais envie de. Ah non mais attends. Ça peut amener un black market. Ça peut amener un black market, on va l'utiliser. Enfin, on va l'utiliser, pas maintenant, mais on va l'utiliser bientôt. LOL. Voilà. Merci, hein, la salle, évidemment. Ça c'est un truc qui va me laisser des cœurs évidemment. Non, c'est un truc qui va me laisser rien du tout. C'est un truc qui va laisser que dalle. Par contre, les flammes laissent les cœurs. Okay. Non mais y a Yera, donc c'est pareil. Il y a des bas. Hop, duplique tous les pick-up. Bonjour. Alors on va quand même chercher la salle d'objets avant le boss. Je me sens pas super à l'aise avec le boss là. D'autant qu'on a dû faire une bonne partie de l'étage déjà, donc on devrait pas, on prend pas trop de risques, je pense, à aller fouiller pour aller chercher la salle d'objets. Mystery sac. Ah non, sac of pennies. Ah non, toutes les deux pièces ont fait spawn une pièce. Bonjour. C'est moi qui parlais de risque inutile tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait. Non, mais si les ennemis meurent tout seuls sans qu'on puisse les taper, c'est même plus drôle. En fait, vous voyez, quand il meurt, il a cette petite traînée verte là, et cette petite traînée verte. Oh, bah oui. Quoi? Tu m'as saoulé. Évidemment, la famosa piggy bank. Piggy bank. Ah, je m'en fous. Je trouve une bombe et je récupère piggy bank. Je m'en bats les couilles. Mais alors, mais d'une façon. Money égale power, ok. Ok, là les gars, vous êtes pas prêts. On va avoir piggy bank du coup. Parce qu'en plus on a le. Vous savez quoi? On va pas faire dans la dentelle. C'est bien ce qui me semblait. On s'est donné. En gros, j'ai utilisé 5 sous pour en gagner 5. Mais j'ai aussi gagné une certaine chance de Devil Deal. Donc voilà, on va pas se plaindre. Pareil, hein, évidemment, toujours dans le même principe de ne pas se plaindre.
Et on a le sac qui lâche des pièces, toutes les deux salles. Donc c'est pareil, on va pas se plaindre non plus. Parce que du coup, à chaque fois qu'on va choper une pièce, on va augmenter nos dégâts. Oula. Oh, c'est le rouge. C'est le rouge. Je crois qu'il est casse-couille, le rouge. Je crois qu'il est casse-couille, en effet. Oh, le 11% de chance. One Black Earth, 3 bombes. Des bombes. On avait besoin de bombes, allez. Il y avait un coffre doré tout à l'heure. On va aller le casser. Il y avait un coffre doré, je me souviens exactement où il était. S'il y a un cricket cède, vous allez me bénir en vrai. Bon après c'est sans doute de la merde qu'il y a dedans, mais bon. Ça reste quand même des pièces. Ça reste des pièces. On va pas se plaindre des pièces. On va pas se plaindre de récupérer des pièces. Bon après une bombe pour 3 pièces, ça le valait pas, mais bon. On peut se permettre. On peut se permettre d'utiliser des bombes pour des pièces. Vu qu'on a money égale power. Curse of the Blind! Meilleur item. Meilleur truc, Curse of the Blind. Ça permet de ne pas voir. Ça permet de ne pas voir quand des objets qui puent du cul, tu les prends. Vous voyez? On a 33%, on a 33,75% de chance pour l'instant d'avoir le Devil Deal. Ok, ça je me battrai à la fin quand j'aurai eu mon Devil Deal. Ils sont où, là. Peut-être, à la rigueur. Qui sait? D4. Enfin, D1, surtout. Enfin, D6. Non, D6. Ouais, mais D6, ça sert à rien, si. J'ai un doute. Salle 2D. D4, hein. Remplace tous les objets dans l'étage, comme le fait ce D6, ne remplace pas les objets dans la salle du diable, la salle de l'ange, le magasin ou le marché noir. Ah, ça veut dire que si on a un truc de merde dans notre shop, si on a un truc de merde dans notre shop, on pourra sans problème, enfin pas le shop, pardon, si on a un truc de merde dans notre salle d'objets, on pourra aller le reroll. C'est cool ça. Oh le lucky coin. Le lock up. C'est pas mal ça le lock up. Magic mushroom. Mini mush. Mini mush, speed plus range up. Talam param. Ah mais on sait pas ce qu'il y a là-dedans. On sait pas ce qu'il y a là. Si c'est un seuil humide, on est baisé sur toute la ligne. Je sais pas si j'ai vraiment envie de tenter un seuil humide, quoi. Mais la question, c'est pas... La question, c'est pas si je le prends ou pas. Je le prendrai. La question, c'est est-ce que je le reroll avant de le prendre? Est-ce que j'utilise le D6 avant de le prendre?
coup, j'aime bien Minimush parce que ça m'a rendu rapide. Ça, c'est cool. Mais ça, on prend. Mythe. HP up, plus damage. Est-ce que je reroll du coup? Regarde dans le shop ce qu'il y a. Dans le shop, on a de quoi prendre des... Oh putain, salaud. Bon, voilà, on va pas parier par contre ici. Hein. Il n'y a rien du tout. Ça a rien lâché. Ah si. Si, si, ça, je viens de voir sur le retour, ok, ça a lâché un cœur. Ça a lâché un cœur d'âme. Bon allez. J'ai envie de le reroll. J'ai une envie folle de le reroll, donc on va le faire. Alors d'abord on va faire ça. Ah. Y a pas de. Y a une bombe, sérieusement. On se bat pour une bombe. C'est là toute la beauté du truc quoi. Allez, on reroll ça. Je ne saurais jamais ce qu'il y avait avant. Mais je saurai ce qu'il y a maintenant. Si c'est un seuil milk. Demon Baby. Ah, c'est pas mal ça. Enfin, c'est moyen tiers, mais c'est mieux que seuil milk. C'est clair et net. Ah, quoique Bloody Penny ça peut être pas mal au final. Bloody Penny ça peut être pas mal. Parce que ça fait tomber des cœurs quand je récupère des pièces. Donc ça peut faire spawn une armée de mouches. Ça peut faire spawn une armée de mouches assez vénère. Allez, soyons fous. Hop, les pilules non identifiées, on s'en fiche. On les prend pas. Non, mais c'est une blague, ça, par contre. Auto-tourelle. Non, en fait, auto-tourelle, je sens qu'elle va me tuer. Enfin, je sens qu'elle va me tuer dans sur certains trucs, en fait. T'as, par contre, on chope des pièces, hein. On chope des bonnes piécettes. C'est plutôt cool. Allez, on bombe. On est joueur. Des pièces. Des sous. Des dégâts surtout. L'auto-tourelle qui fait quand même un petit taf, hein, l'air de rien. L'auto-tourelle qui fait un taf assez conséquent, on va pas se mentir. Ah putain, ça c'est casse-couille. Oh, je suis trop con.
Je stresse ce truc. Le temps que j'ai mis pour finir cette salle. Mon Dieu. Allez, on chope une bombe là, c'est un signe. Magic Mushroom. Non, c'est faux. On peut toujours espérer. On peut toujours espérer. Non, c'était de la merde, quel dommage. Double la range. Non. LOL. Sérieusement. Ah, ça c'est intéressant. À chaque fois que je tue un ennemi dans une salle, ça augmente mes dégâts maximum. Ah, le Petrified Poop, c'était le moment. Les pétrif... On va garder Petrified Poop. Oh là là, mais mon Dieu. On va prendre ça, hein. Non, mais on se met bien. On se met très très bien. The Halo. On se met encore mieux. On se met encore mieux. Non, mais on est bien là. On est pas mal. On se met bien. On va quand même aller jeter un coup d'œil à la salle d'arcade. The Halo, c'est pas mal. The Halo, c'est vraiment pas mal. C'est un peu dommage que ça nous fasse pas voler, mais c'est pas grave. Ça me passe après. Hop. N'oubliez pas qu'on a IRA qui nous permet de dupliquer les. Nous permet de dupliquer totalement les pick-up. Tous les pick-up qui sont dans une salle, on peut les dupliquer avec Kira. C'est pas mal. Mais on va vite devoir trouver un. Ah, Curse of the Lost, c'est chiant. C'est quoi ça? Hop. LOL! Mais c'est bien parce que du coup, l'objet que j'ai chopé peut permettre. Oh putain, l'auto-tourelle, par contre, je te déteste. Nah! Toi, tu m'approches pas. Ok, Steam Sale. C'est bien ça. Steam Sale, ça c'est cool. Hop. Récupérer des sous avec ça. Ça c'est cool. Pandora Box. On est D1, ça sert à rien. Ça c'est bien. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. On a perdu un peu de pièces, mais c'est pas bien grave. Non, je me battrai pas pour ça.
On est rapide grâce au halo, c'est bien. Ah putain, ça c'est un boss à, ça c'est un boss à pièces en plus. C'est cool. On aurait pu utiliser hier à l'air de rien, c'est vrai. Lock up. Carrément. Mais du coup, on a deux charges. Du coup, on a deux charges pour notre wooden nickel. C'est plutôt cool. On va pas se mentir. Ah, ça c'est casse-couille par contre. La petite pièce qui reste comme ça en suspension, c'est casse-couille. Ah putain, cool. Elf up, tier up, shot speed down. Game up, tier up. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas du tout cool en fait. On aurait totalement voulu une salle de l'ange. Je suis con. Mais bon, avec 11,50, c'est cool de la, c'est cool d'en avoir eu. C'est vrai que c'est cool d'en avoir eu un hein, déjà. Montons. Ah, je suis trop con. C'est pas de Blood Donation Machine. Ça va aller. Ah, quoique. Quoique. Quoique, quoique. Attendez. FF speed up. Voilà, parfait. Il y avait un bon retour sur investissement. Une clé des sous. On a déjà été voir là. On a déjà tout fait ici, hein. On est d'accord? Putain, je me souviens plus. Oui, là c'est fait, je me souviens plus. En vrai, on fait beaucoup de dégâts, mais contre les boss, je pense qu'on va pas. Enfin, là, ça va encore, mais je pense que contre des boss un peu plus compliqués, on va pas faire long feu. Par contre, j'ai plus de charge, donc on va faire gaffe. Non, ça c'est de la merde. Hop. Avec du coup au fur et à mesure du combat. Hop.
fur et à mesure du combat, on a quand même augmenté nos dégâts. On a quand même presque. On n'a pas doublé nos dégâts, mais on les a multipliés par 1,5. On n'avait pas fait ici. C'est bien ce qui me semble. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait une partie qu'on n'avait pas faite. Quand même. On va faire a priori la plus rentable. A priori. La moins rentable. Oh putain. C'est la gratuité. C'est la gratuité, il y a un Steam Sale. Il y a un Steam Sale, un shop avec un refresher. C'est la gratuité. Et c'est aussi d'énormes dégâts du coup avec Money Equal Power. En même temps, je chope des pièces absolument partout. Donc c'est bien, en fait, j'ai plus du tout besoin d'aller de récupérer les pièces. Voilà. Peut-être une trappe ou une crawl space. Non, c'est une trappe. C'est une trappe vers le niveau suivant, ça ne m'intéresse pas. Lust. Ouais, mais Lust, là. T'arrives pas au moment. Allez, une Angel Room, une Angel Room, une Angel Room. Putain! C'est casse-couille! de chance d'avoir des extra pick-up ou rien du tout. Rien du tout ou des ennemis dans ta head chest. L'aile. T'es mort. Dégage. Bon, ça faut pas le prendre par contre. Le descend faut pas le prendre. Ça rigolerait absolument tout. Ce serait monstrueux. Est-ce qu'on le prend? Étant donné qu'on a un build agressif, est-ce qu'on le prend? Bah c'est vrai qu'on a l'auto-tourelle. Ça veut dire qu'on peut... Curse of Maze. Curse of Maze, nique-toi. Mais l'auto-tourelle, elle fait pas son job, là. L'auto-tourelle fait pas son job. L'auto-tourelle, tu attaques quand ils arrivent. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Non mais oh. Ah putain, c'est vrai que du coup je vois les secrets. Ouais, bon là c'est mom, on va quand même récupérer le shop. Non, c'est mort. J'ai pas de PhD, donc c'est mort. Carrément. Carrément, on peut le farmer lui, c'est bien. The Chariot, c'est intéressant ça par contre. Non mais lui c'est bien, on peut le farmer tranquille jusqu'à ce qu'il nous donne quelque chose. J'espère que juste qu'il nous donnera pas un HP up. Bon bah du coup le HP up on va le consommer là. Voilà.
Portable Blood Bank. Quoi? Ça a pas fait spawn de... Ça a pas fait spawn de pièces? Pardon? Et normalement c'est censé faire spawn une pièce tout le temps. Hein. Il y a tromperie sur la marchandise là, il y a un problème. Genre je me suis quand même sacrifié un point de vie, au bout d'un moment. Faut être sérieux. Non mais sérieusement quoi. Ces shops de merde. Genre quand j'ai vraiment beaucoup de thunes, il n'y a que des shops de merde. C'est magnifique. C'est magnifique. Et le Curse of the Maze de ta mère! Putain! Je ne suis pas du tout salé. Je ne suis pas du tout salé, je ne suis pas du tout salé. Ça va. Ça va, ça va. Pièce! Ok, on a tout fait ici. Non, on n'a pas fait la challenge room en haut. Ah, mais la challenge room en haut, je peux pas le faire, non? Si. Ah, attends, la challenge room, je peux peut-être la faire en. Je peux peut-être l'attendre. Attendez, attendez, attendez. On va peut-être truander pour la challenge room. Oui, ça d'ailleurs, on peut aussi le farmer. Le deuxième. Niaou. Ouais, non, allez. Allez, on reste avec nos 99 pièces. On reste avec nos 99 pièces, c'est pas grave. Heureusement que les crânes heureusement que les crânes protègent, hein, parce que sinon je me faisais mal à chaque fois que je passais par là. Je peux faire ça aussi. Le pouvoir de l'inaction, n'est-ce pas? The négative et on se casse. Et bah il va falloir espérer. Comment on débloque The Keeper? Keeper, je crois que c'est en mettant un certain nombre de pièces dans le grid, dans la grid machine. Ouais, c'est ça. C'est faut mettre un certain nombre de pièces dans la grid machine. En vrai, avec tout le up de dégâts que j'ai, là, je chope un. Je chope un. Un criquet de cèdre. Je chope un. Je chope juste un criquet de cèdre, je suis le roi du monde. En vrai. Parce qu'il y aurait un. Il y aurait un multiplicateur de. Il y aurait un multiplicateur de 50% sur absolument tout. Sans revolver. Il y aura un multiplicateur de 50% sur absolument. Oula, dangereux ça. Ouais, mais j'ai des bons dégâts. Comment va revolver? Donc on se chie à débloquer un personnage pas top. Ouais, mais qui rapporte de bons objets.
Allez, on la retente, on la retente. On lui laisse le bénéfice du doute, vous voulez bien. J'adore cette musique par contre. Forgotten Lullaby, je la trouve trop belle. Random Pickups. Ok. LOL! Ok, quel enfer cette salle. Meurs! Meurs! Oh, j'ai failli me faire surprendre. En vrai, j'ai tellement failli me faire surprendre. Non, mais allez, moi je vous dis, celle-là on la mène jusqu'au bout par contre. Celle-là on la mène jusqu'au bout. Satan et Lamb sont morts. Voilà. Je vous le dis direct. Bon, ça suffit. Et je vous l'ai dit que le Mass Toxic Poison c'était ultra fort. Hein. Secours! Grid, c'est maintenant que t'apparais, toi. Putain, j'avais pas vu qu'il restait lui. J'ai failli foncer sur lui en mode. J'ai failli foncer sur lui en mode balai couille. Je serais mort comme un caca. La quête cède. Shop will know a pire is the. Ah yes! Oh oui, je garde. Toute la vie, je garde ça. C'est trop bien. Il va y avoir des shops du coup dans le monde. Oh oui. Oh putain, trop bien. Trop bien. Ça c'est trop bien. Ça c'était le meilleur truc qui pouvait arriver. Le Goat Head, c'est le meilleur truc qui pouvait arriver. J'espère juste que cette fois-ci ça ne sera pas. Oh merde. J'espère juste que ce sera pas une salle du diable, encore une fois, mais une salle angélique. Oh putain, si ça pouvait être. Si là, la fin des deux étages qui suivent, ça pouvait être des salles angéliques. Oh, mais je serais tellement fier. Je serais tellement content. Ça serait monstrueux, ça serait trop bien. Ou alors une salle angélique avec deux anges, à la rigueur. Ah merde. Ouais, ouais. Ouais, ça me fait peur. Ce boss me fait trop peur. Bordel, j'ai... Évidemment. Non mais évidemment, putain. Bon bah du coup, bah les couilles c'est du rap, hein. Tant pis, hein, pas de méga Satan. Putain. Fais chier. Oula, Curse of Darkness, magnifique. Enfin après... Après... On peut toujours tomber sur un Get Out of the Jail Free Card. On peut toujours tomber sur ça. Mais ça serait une luck inouïe. Ça serait une luck absolument monstrueuse. Toi, tu ne nous as jamais déçus, n'est-ce pas? C'est faux. Sors-nous une Get of the... Ah. Sors-nous une petite... Une petite, vous êtes libéré de prison. je déteste ça. Bam.
Du coup, je récupère plus de pièces que je n'en... Du coup, je récupère plus de pièces que je n'en perds en... hop. Mais du coup, il y a des shops. Mais je suis trop con. Il y a un shop, du coup, avec le trinket que j'ai. Attends. Est-ce qu'il y a... Ça serait le shop miraculeux, tu sais. Non, tu calmes ta race. Tout de suite. Nard, tu te détends tout de suite, toi. Ah, ça serait miraculeux. Un truc comme ça. Oh, ou alors un get out of the jail free card dans le shop. Ça serait monstrueux, en vrai. Par contre, je veux dire, là, on n'y voit vraiment rien. Hein. On y voit vraiment rien du tout. Ok, le shop il est là. Ah, tout est gratos! Ah oui, mais c'est vrai, tout est gratos! Il y a un store refresher! Ah oui, putain, c'est trop bien. Gratos, gratos. 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 The Fool. Gratos. Ah putain, c'est parfait. Bumski! Tac, 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 on a cassé le shop. Et moi, je veux juste un truc, je veux juste le refresh dans le shop. Tac, allez, nique-toi. Voilà, parfait. The High Priestess, ok. Ok. Deck of Cards, ok, carrément. De ouf. Méga Satan, il est là! Il est là! Il est avec cette carte! Il est, c'est ça! C'est exactement ça! Excusez-moi, je m'emballe. Je m'emballe, mais je suis content. Je m'emballe, mais je suis content. T'as raté que je suis en train de casser le shop. Je suis en train de casser un shop dans le womb. Avec le broken modem. Évidemment. Petit truc là. Hop. J'ai une carte. C'est Hierophant. Voilà. Parfait. The Chariot. Non. The Chariot. Non. The Head Pretress. Non. The Fool, non. The Hermit. Bon, on y est déjà. Alors, hop, on va faire ça comme ça plutôt. J'ai rien à récupérer comme carte, hein, on est d'accord. Hop. Mouche bleue. Le compas. Le compas tranquillou pépère. Et hop. Parfait. Hop. Cette carte là, c'est quoi? The Stars? On s'en fout. On a la carte qu'il nous faut. Et je viens de récupérer, je viens de dévaliser le shop et de trouver la carte Get Out of Jail Free Card qui nous permet d'ouvrir toutes les portes. J'aurais peut-être pas dû prendre la Broken Stop. La Broken Stop Watch, c'est pas grave, on verra bien. Le Get of the Jail Free Card qui nous permet de ouvrir la porte de Mega Satan en mode gratuité totale. Non, non, les mouches, restez là. Ah non, pas ça. Au secours. Ah, et regardez les larmes qui s'arrêtent. Ah, j'ai trop peur. Ah, les larmes qui s'arrêtent en plein milieu à cause du broken modem. Ah, je suis pas serein. Déjà.
Oh là là, je suis pas serein du tout. Attends. Attends, déjà j'ai un safe spot ici. Voilà. Ah mais si tu veux, ce genre de salle, moi ça me fait flipper à race, hein. Ça me fait flipper à mort. Womp 2! J'ai la super salle secrète. J'ai pas regardé la super salle secrète, elle est où? Elle est juste là, ok. J'avais pas vu. J'étais trop dans le moment présent là. Ah, ce running gag! Le mendiant! Le mendiant, quoi. Ce running gag du mendiant. Le running gag de la super salle secrète avec le mendiant à côté de la machine de don de sang. C'est une blague. Et à chaque fois, il me donne un HP up. À chaque putain de fois. Reste à pas mourir en jouant au con avec la machine à don quand même, ça serait dommage. C'est la quatrième fois que je récupère cet objet. C'est la quatrième fois. Tout va bien. Allez, on descend dans le Sheol. C'est la quatrième fois que je ramasse cet objet. Tout va bien. Faut que je fasse gaffe du coup. Magic Mushroom. Ah, je m'en fous, quitte à... Je joue le tout pour le tout, hein. Quitte à avoir un Magic Mushroom, autant l'avoir maintenant. Ça serait magnifique en vrai. Steven! Bon damage up. Faut que je fasse gaffe quand même parce que les. J'aurais jamais dû prendre le broken modem en vrai. J'aurais jamais dû prendre le broken modem parce que je sais pas si vous vous rendez compte en fait que les larmes des ennemis, elles lag aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, je peux me retrouver trollé par des larmes en fait, par des larmes qui sont censées partir, que j'essaie d'esquiver, que je vois pas. Turn all pickup into coins. Non, c'est mort. Je garde ma carte. En plus ça va, c'est bien, j'ai quand même le... J'ai quand même le toxique. J'ai quand même le toxique qui fait un taf monstrueux. Oh cette blague quoi.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, ça tend. Ah, c'est trop cool. La Broken Stopwatch a fait que... La Broken Stopwatch a rendu ce combat absolument trop facile. Le Broken Stopwatch! Quoi? Ah, j'ai flippé. J'ai flippé, je suis revenu chercher la pièce en urgence. Faut que je bouge quand même. Hein. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Ok, Satan c'est fait! On va peut-être y arriver! Satan c'est fait! Ok, maintenant direction The Lamb. Les méga Satan on fera à la fin. Enfin, déjà méga Satan, hop! Voilà. Ensuite direction The Lamb. What? Oh, ça c'est la baisse, ça. Non, c'est la baisse, ça. NON! Ah, putain! Ah, je le savais, je le sentis! Ah, putain, je l'ai senti! Mais putain! Oh là là, mais eux, mais pas eux quoi, mais pas eux. Par contre, j'aurais tellement dû utiliser la pièce. J'ai pas utilisé le Wooden Penny, je suis dégoûté. Mais je peux pas faire la salle directe, Grish. Je suis obligé d'aller chercher The Lamb. C'est l'un des derniers boss qui me reste aussi. J'ai pas le choix. Ah, j'ai un seum, mais monstrueux. Allez, au revoir YouTube.